Alors, profitant d'une belle journée du mois de novembre, ensoleillée et douce, nous voilà sur la commune de Vollore, près des ruines de l'église du Maillet. Une église qui a été construite dans les années 1860, probablement jamais achevée, et qui n'a jamais servi malheureusement. Au 19e siècle, dans une bonne partie de la France et dans notre département du Puy-de-Dôme, on a procédé souvent au démembrement de plusieurs communes, notamment Vollore, qui était une très grande paroisse avant la Révolution, a vu la création de la commune de Vollore-Montagne en 1790, puis Sainte-Agathe sous le Second Empire en 1869. Et évidemment, les gens de la région, du secteur du Maillet, du Trioulier et une dizaine de villages se trouvaient éloignés du bourg et ont décidé de construire une église dans le but d'avoir une autonomie comme Sainte-Agathe venait de l'avoir. Il fallait à cette époque-là avoir construit son église et avoir un prêtre desservant à demeure. C'est pour ça qu'ici on a construit le presbytère, parce que c'était une condition, disons, pratiquement obligée pour devenir commune. C'est ce qui fait que beaucoup de ces succursales, comme on les appelait à l'époque, genre Visconti, Sainte-Agathe, Paladuc, sont devenues communes parce qu'il y avait un prêtre desservant, il y avait déjà une paroisse existante et on a calqué sur la... La commune a eu exactement la superficie de la paroisse que l'on avait créée auparavant. Dans notre secteur, on peut citer Celles-sur-du-Rôle, par exemple, qui a été amputée de Visconti. On a Saint-Rémy-sur-du-Rôle qui a perdu la partie qui est devenue Paladuc. Et au début du XXe siècle, la gare de Saint-Rémy qui est devenue commune de la Monnerie. Mais on peut aussi citer Arconsat qui a perdu la partie basse près de la Durolle, près du chemin de fer et de la route nationale. C'est la commune de Chabreloche. Et donc ces séparations, ces divisions de communes trouvent leur origine souvent dans l'éloignement du centre-bourg. Et on comprend qu'ici, ils avaient construit leur église, ils avaient construit un presbytère, ils sont même allés plus loin, pensant devenir commune, ils ont construit une école, et ça c'était bien dans l'esprit de la Troisième République naissante, justement de faire des écoles partout où c'était possible, notamment dans des lieux isolés. Ici on regroupait plus d'une dizaine de hameaux et de villages, donc on pouvait estimer à 30 à 40 élèves possibles, ce qui a été le cas, et tous les enfants des environs sont venus à l'école jusque dans les années 50 au Maillet. Ils avaient même une section de sapeurs-pompiers, et avoir une pompe en cas d'incendie, c'était quand même une sécurité. Nous sommes au village du Maillet, pas très loin des ruines de l'église que nous venons de voir. Et c'est ici que se trouvait l'école du village et aussi où était remisée la pompe des sapeurs-pompiers de la section de pompiers du Maillet. Lorsqu'on déambule dans ces ruines, on est surpris de la qualité de la construction. Et c'est bien dommage que le projet n'ait pas abouti, parce que vraiment il y a de beaux restes quand on voit toutes ces arcades, les fenêtres où il y a encore le fer forgé qui devait protéger les vitraux. C'est extraordinaire. Alors à proximité des ruines de l'église dans le bois, eh bien, on a des ruines imposantes recouvertes par le lierre. C'est certainement le presbytère qui avait été construit par les gens du Maillet à l'époque. Ils pensaient d'avoir un desservant, un vicaire, peut-être un prêtre à demeure. Ce projet n'a pas abouti, ni de paroisse, ni la création d'une commune. Les gens pourtant ont essayé par tous les moyens, mais à chaque fois l'évêché n'a pas voulu accorder ni vicaire, ni prêtre à demeure, bien qu'il y ait un presbytère de construit. En plus, les habitants ont fait une demande auprès de la municipalité pour acquérir un bout de terrain afin de le transformer en cimetière. Ça a été refusé, et par la municipalité et par le préfet. Donc le projet a avorté complètement. Alors évidemment, le financement de la construction de ce bâtiment, il n'y a eu aucun fonds public.
C'est uniquement la générosité des gens des environs, de tous les villages des environs qui se sont cotisés. Ça a été la même chose pour acquérir la pompe pour les pompiers, la construction de l'école, la construction du presbytère. Il n'y a eu aucun fonds public. Aujourd'hui, on appellerait ça du financement participatif.